Je vais commencer par présenter Mélodie. Elle est professeure de littérature au département de lettres et de communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle s'intéresse à la culture médiatique et numérique, à la littérature hors du livre, ainsi qu'à la façon dont les supports influent sur les écritures et les imaginaires du 19e siècle à aujourd'hui. Ses travaux ont porté notamment sur la poétique et l'imaginaire du reportage, les représentations de l'aviation pionnière et les écritures de soi en contexte médiatique. René Audet est professeur titulaire au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Il est le directeur du laboratoire Excitu du Pôle Québec du projet de recherche littérature québécoise mobile et l'éditeur Savant Codicille. Ses recherches portent sur le roman contemporain et les arts littéraires, la narrativité, la littérature numérique et les transformations actuelles de l'édition. Donc, je leur cède la parole. Merci beaucoup, Audrey. Merci pour l'invitation à participer à cette journée-là. D'ailleurs, j'en suis très contente. Donc, René et moi faisons partie d'un projet de recherche en partenariat littérature québécoise mobile qui a notamment pour objectif de participer à la connaissance de l'histoire des pratiques littéraires numériques au Québec. C'est un des grands objectifs du projet. Un grand objectif au sens où c'est un objectif qui est quand même assez ambitieux. Parce qu'il implique de saisir un ensemble qui est très vaste d'œuvres et de pratiques qui ne correspondent pas toujours très bien aux représentations habituelles qu'on peut se faire de qu'est-ce qu'un livre, qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce que la littérature. Effectivement, les pratiques littéraires numériques, ce sont souvent des pratiques hors du livre qui vont faire appel à des supports écraniques ou encore à la performance, c'est-à-dire des pratiques qui participent de ce qu'on nomme aujourd'hui de plus en plus les arts littéraires, des pratiques aussi dont les manifestations se transforment avec chaque nouveau support, avec chaque nouvelle plateforme. Du web HTML des années 90 jusqu'à la littérature, pour donner un exemple, les communautés littéraires et les œuvres ont considérablement changé de visage avec la technologie. Pour les publics, pour les lecteurs, ce sont des transformations qui génèrent aussi des nouvelles pratiques de lecture, de spectature, des nouveaux gestes aussi, hein, quand à la page qui tourne dans un livre succède des gestes comme le pouce qui défile sur un écran ou la manipulation d'une souris ou d'un ordinateur. Les œuvres numériques, ce sont aussi souvent des œuvres de nature multimédia ou encore hypermédia qui vont combiner plusieurs systèmes de signes. Au texte, il va s'ajouter l'image, le son, l'animation, l'hypertexte. Donc, ça change aussi la façon de les aborder. Par ailleurs, ce sont des œuvres qui ont été portées depuis une cinquantaine d'années au Québec par des acteurs qui ont des profils très, très variés. Certains d'entre eux sont des pionniers et des pionnières singuliers. Je vais en évoquer deux tout à l'heure, et dont un est dans la salle d'ailleurs. D'autres ont travaillé au sein de regroupements universitaires, je pense par exemple au laboratoire NC2 à Montréal, ou encore dans des organismes artistiques, des collectifs artistiques aussi, qui ont manifesté un intérêt particulier pour la création numérique. Donc, je pense notamment à la Société de création du présent qui a été active au Québec de 85 à 94 ou encore évidemment aux productions Vision hein, qui ont joué un rôle important. Et enfin, il y a tout un ensemble aussi d'acteurs de cette histoire-là qui sont plutôt des amateurs plus isolés et donc qui sont relativement invisibles dans l'histoire littéraire comme dans la réception. Donc, c'est aussi intéressant de s'intéresser, de revenir à ces acteurs-là moins connus de l'histoire littéraire, des pratiques littéraires en contexte numérique. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est-à-dire en somme parce que les pratiques littéraires numériques sont en rupture avec les formes, avec les usages, avec les modalités classiques de production, de diffusion et de réception de la littérature, ce sont des pratiques et des œuvres qui posent des défis particuliers aux chercheurs qui, comme René et moi, tentent de les saisir, de les cerner. Leur caractère hétérogène rend la synthèse relativement difficile. Hein? C'est un exercice difficile qu'on essaie de faire ce matin. Et la rapide transformation des technologies pose aussi des difficultés particulières d'archivage et de consultation des œuvres. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais ces particularités de la production numérique font aussi des œuvres numériques des objets plus particulièrement prismatiques. Et c'est là-dessus qu'on voudrait insister ce matin.
C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui donnent prise à des points de vue multiples, à des points de vue variés. Par exemple, on peut s'attarder à travers elles à repenser complètement l'histoire littéraire québécoise hein, en donnant visibilité à un corpus qui n'est pas nécessairement très connu de tous. On peut penser à travers elle plutôt l'histoire des médias, l'histoire de la technologie. On peut s'intéresser aussi dans une perspective sociologique au réseau d'acteurs qui ont été derrière la production de ces œuvres-là. Ou encore, en théoricien et en poéticien, on peut se demander comment ces œuvres-là transforment le langage littéraire et donnent naissance à de nouvelles écritures. Donc, c'est pour ça que René et moi, aujourd'hui, avons décidé de vous proposer un parcours à travers quelques exemples tirés de l'histoire de la littérature au Québec pour mettre en relief ce caractère particulièrement prismatique ou encore chatoyant des œuvres aux formes très variées, qu'on voudrait donc considérer ce matin, pour le dire avec une image, hein, en mettant tour à tour différentes lunettes théoriques pour insister sur ce caractère prismatique des œuvres. Alors voilà, donc je me lance avec la question d'abord des premières performances avec des ordinateurs. Quand on la regarde aujourd'hui, l'époque pionnière des années 70-80 nous semble marquée par des acteurs singuliers. Effectivement, les toutes premières performances qui ont impliqué des ordinateurs au Québec ont été le fait de créateurs qui ont manifesté très tôt un intérêt plutôt hors du commun pour l'expérimentation avec des ordinateurs. Au Québec, on peut signaler notamment l'apport incontournable de Jean-Yves Fréchette, qui est avec nous aujourd'hui, et de la centrale textuelle de Saint-Hubert. Fréchette, donc, c'est un enseignant, un poète, un écrivain qui a été amené au numérique par cette voie-là de la poésie et de l'enseignement, comme il l'explique lui-même. Et tout au long de sa carrière, Jean-Yves Fréchette a expérimenté notamment à la croisée de la poésie et de la performance avec des ordinateurs. Et donc, je voudrais donner en exemple ce matin le cas de cette œuvre que vous voyez ici, donc « J'ai mon soleil sans complexe », une œuvre qui a été décrite lors de sa réalisation dans un article du Devoir comme une performance réseau d'écriture informatisée. Et donc, cette performance réseau d'écriture informatisée s'est tenue le 4 juillet 1983 au sommet d'un édifice que vous connaissez sans doute si vous habitez à Québec, le complexe G, hein, qui se situe au centre-ville. Et donc, M. Fréchette avait imaginé tout un dispositif qui captait un rayon de soleil et qui le réfléchissait à travers le complexe G jusqu'au 31e étage avec une série de 8 miroirs. Et donc, le rayon de soleil frappait ensuite, et là je cite un communiqué de presse qui a été rédigé pour décrire le dispositif, frappait une cellule photoélectrique qui mettait en marche une imprimante d'ordinateur. Et l'imprimante générait un texte s'écrivant avec des mots choisis par plus de 300 personnes qui avaient été recrutées à la fois parmi les travailleurs et les travailleuses du complexe G, mais aussi parmi des bénévoles de toutes les régions du Québec. Et donc, chaque personne avait fourni une quinzaine de mots qui formaient un bassin lexical à partir duquel l'ordinateur agrégeait des vers pour imprimer un très long poème de 4000 mots qui a été imprimé en quelques centaines d'exemplaires. C'est ça la nature de cette performance-là. C'est une performance que, personnellement, je trouve très intéressante parce qu'elle a l'intérêt de mettre en avant la matérialité du support qui est au cœur de l'œuvre numérique, ou encore son très étroit à l'image, à l'histoire de la technologie. Donc, effectivement, c'est une performance hein, qui se déploie dans un très grand espace, donc tout un édifice au centre-ville, et qui fait appel à plusieurs objets matériels, des miroirs, une imprimante, un ordinateur, beaucoup de papier, comme si on voulait, à travers elle, peut-être que Jean-Yves Fréchette pourra commenter cette hypothèse-là, comme si on avait voulu mettre en évidence la chaîne logicielle et matérielle qui est nécessaire à la production d'une œuvre, même si elle se base sur l'informatique, hein, elle est très matérielle. Et de plus, même si cette performance-là aboutit à la production d'un objet relativement classique, hein, un livre imprimé, elle opère quand même un déplacement symbolique. Parce que c'est la performance elle-même, au moment de sa réalisation, qui devient le noyau de l'œuvre et non plus l'objet final, le livre imprimé, qui est comme un produit secondaire, si on veut, de la performance, finalement.
Autre élément que je trouve précurseur, c'est le recours aussi à la participation du public dans une œuvre comme celle-là. J'ai un petit chat dans la gorge. Donc, le recours à la participation du public préfigure certaines entreprises qu'on observe aujourd'hui dans la littérature numérique. René pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, hein, des œuvres collectives qu'on va voir notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, il y a cette dimension collective qui est intéressante. Et troisième et dernier point aussi que je trouve pertinent de souligner, c'est une œuvre pionnière parce qu'elle contribue à réinventer le geste d'écriture et l'autorialité dans cette collaboration entre l'écrivain et la machine. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui interroge l'autorialité. Qui est l'auteur d'une œuvre comme celle-là? Est-ce qu'il y a un auteur unique puisque le poème est composé des mots fournis par plusieurs centaines de participants? Hein? D'une part, il y a effectivement tout le processus de création du concepteur qui imagine la performance, qui va récolter, centraliser les données, qui va programmer l'algorithme, mais il y a aussi l'apport des autres contributeurs et l'apport de l'ordinateur lui-même hein, qui va composer le poème à partir d'un programme. Et donc, c'est une conceptualisation de l'œuvre numérique qui met très tôt en place, dans les années 80, plusieurs des questionnements qui sont encore centraux aujourd'hui dans la pratique des créateurs numériques. Je pense, par exemple, à certains qui produisent aujourd'hui hein, de la poésie à partir de vastes jeux de données qui sont fournis par le web, par exemple. Parce que aussi, ça pose la même question de l'autorialité et du travail avec les mots des autres, avec les données qu'on veut. Du support, je voudrais passer à donc, une autre paire de lunettes, à la question maintenant de l'imaginaire du numérique. Et donc, je vous ai mis une petite citation pour entrer dans ce sujet-là. « La relation de l'homme à son environnement numérique s'est caractérisée dès l'origine par un double mouvement de fascination et de répulsion, mis en scène par les artistes via différents médiums. » Je trouvais cette citation intéressante et elle ouvre un dossier très récent qui vient de paraître dans la revue Société et Représentation. Un dossier d'ailleurs que je trouvais amusant parce que l'image de couverture a été générée par l'intelligence artificielle, hein, on en parle beaucoup ces jours-ci. Et donc cette phrase-là postule qu'une majorité finalement de créateurs d'œuvres numériques contribuent par leur discours à construire un imaginaire du numérique. Et donc, à côté de l'attention qu'on peut porter au support ou à la matérialité des œuvres numériques, on peut aussi s'intéresser à la façon dont les œuvres véhiculent des représentations de ce que le numérique fait à l'écriture, à la littérature, au livre, au travail de l'auteur. Donc, on est du côté de l'imaginaire, hein, du discours, des représentations. Des représentations qui, tout au long de cette histoire-là, oscillent souvent entre jubilation, hein, admiration et, d'autre part, inquiétude ou technocritique. Hein, ce qu'on peut appeler les technocritiques, donc des critiques à l'égard de la technologie. Et je vous parle de tout ça pour en revenir à un exemple précis. Donc, un autre des acteurs pionniers de l'histoire des pratiques littéraires numériques au Québec est Louis-Philippe Hébert, qui est le cofondateur de l'entreprise Logidis, l'entreprise notamment qui a conçu des logiciels. C'était le cofondateur avec Roger Desroches. Et cette entreprise a été active de 81 à 97. Donc, elle a eu une importance considérable au Québec. Et donc, Louis-Philippe Hébert, très tôt, a participé à construire un certain imaginaire de la machine à écrire. Et ici, je reprends les grandes lignes d'une communication que David Bélanger a faite sur ce sujet en 2021. Donc, Logidis, pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, a conçu des jeux narratifs à teneur littéraire, par exemple Arsène Larsen vers 1984, qui est un jeu basé sur l'univers du célèbre cambrioleur Arsène Lupin, hein, c'est un des romans policiers, ou encore le jeu Caraïbes, un jeu narratif qui se base sur l'univers des corsaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'au seuil, donc vraiment juste à l'aube de la fondation de son entreprise, en 1981, Louis-Philippe Hébert réfléchissait donc à la mécanisation de l'écriture, pour reprendre sa propre expression, dans un article qui est publié dans la Nouvelle Barre. C'est intéressant d'examiner le discours d'un Hébert parce qu'il est plutôt du côté de la jubilation
Et c'est quelqu'un qui met à distance une position plus critique ou plus conservatrice à l'égard de la technologie, position plus conservatrice qui était celle d'autres écrivains contemporains, par exemple Gaston Miron lui-même, qui aurait affirmé dans un congrès de l'UNEC « Mon texte n'est pas malade et n'a pas besoin de traitement », en référence donc au traitement du texte. Hébert, lui, au contraire, c'était quelqu'un qui réfléchissait justement à qu'est-ce que cette nouvelle chose-là, qui est le traitement de texte, qu'est-ce qu'elle fait à l'écriture, comment ça peut modifier la manière d'écrire, le processus des écrivains. Et donc, dans le texte « La mécanisation de l'écriture », c'est à ça qu'il réfléchit, et il écrit notamment que le traitement de texte est ce qui permet de multiplier les marges autour du texte, c'est-à-dire d'y entrer par tous les bouts, de le construire différemment, d'entrer dans un processus d'écriture qui serait constant et qui pourrait s'étirer davantage dans le temps. Chose intéressante, Hébert va aussi imaginer de façon prospective quels usages futurs on pourrait faire du traitement de texte. Puis en imaginant ça, en anticipant, il imagine effectivement des choses qui vont se réaliser dans les années suivantes. Par exemple, comment est-ce qu'on pourrait programmer un traitement de texte pour faire des permutations de mots, pour trouver des synonymes ou des antonymes, ou encore pour, en un seul clic, transformer une énonciation à la troisième personne en énonciation à la première personne, en autant de procédés de mécanisation de l'écriture. Hébert se réfère aussi dans son discours à d'autres écrivains célèbres qui ont puisé dans l'informatique des sources d'inspiration, notamment Raymond Queneau. L'exemple que j'ai mis ici, quand même assez bien connu, 100 000 milliards de poèmes. C'est un texte qui fait appel à la logique combinatoire. L'idée, c'est que le lecteur, en manipulant les vers de 10 sonnets qui se succèdent, hein, mais les vers qui sont découpés sur des languettes comme ça, donc le lecteur peut les manipuler et former 100 000 milliards de combinaisons différentes et donc autant de sonnets différents. C'est d'ailleurs une œuvre qui a été transposée aussi sur le web avec des petites pages où on peut générer soi-même des combinaisons de poèmes. Donc c'est une des références importantes de Hébert. Et Hébert lui-même, pour sa part, il imagine aussi comment la machine pourrait aller, donc non seulement jusqu'à aider l'écrivain à traiter son texte, mais pourrait aller jusqu'à générer une véritable écriture cohérente. Donc, dès les années 80, là, Hébert imagine déjà l'écriture avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est un des tout premiers au Québec à réfléchir à une question comme celle-là, qui est évidemment d'actualité aujourd'hui. C'est en quelque sorte Hébert, une sorte de Jules Verne là, de l'écriture numérique au Québec, hein, quelqu'un qui est dans l'anticipation, dans l'imagination anticipatrice. Et donc, il y a tout cet imaginaire technologique, imaginaire de la mécanisation d'écriture qui accompagne la fondation de la firme Logidisque et qui laisse transparaître chez un Hébert une forme de jubilation technique, une attention en tout cas aux possibilités qui sont ouvertes par une technologie nouvelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de critique chez Hébert. Hein. Il y a d'autres textes qu'il a écrits où il adopte une position un peu différente, mais il y a aussi cet aspect-là de jubilation technique chez lui. Le dernier exemple que je prendrai, c'est celui des œuvres web des années 90. Ensuite, je vais laisser la parole à René. L'exemple de Logidisque avec ses logiciels permet d'exister un mot au passage de la problématique de l'obsolescence technique des œuvres numériques. Comme je le disais en commençant, malheureusement, le logiciel des années 80, des années 90 est impossible à lire sur une machine d'aujourd'hui. Et donc, ça rend difficile l'étude détaillée de jeux comme ceux que je vous présentais, Arsène Lupin ou encore Caraïbes. Mais la problématique de l'archivage est loin de se limiter au seul cas des logiciels. Et donc, elle touche en fait plusieurs pans de l'histoire de la littérature numérique au Québec. D'ailleurs, pour certains commentateurs critiques, l'obsolescence serait même une caractéristique des œuvres numériques. Leur durée de vie serait déterminée par les transformations très rapides des langages de programmation, des logiciels, des plateformes. Et d'autre part, cette dimension-là a en quelque sorte été intégrée par beaucoup de créateurs et créatrices numériques qui soit acceptent cette obsolescence ou qui ne vont pas se soucier en fait de l'archivage de leurs œuvres. Et qui vont préférer s'en remettre au hasard de la technologie et du temps, tout simplement.
Et donc, en conséquence, pour un chercheur comme René ou moi qui essaie de restituer l'archéologie de la littérature numérique, on a l'impression de lutter ou de naviguer un peu à contre-courant quand on essaie d'archiver ou de retenir au moins des fragments des œuvres numériques. C'est néanmoins, en tout cas, le sens du catalogue que je voulais vous présenter rapidement, le catalogue des œuvres littéraires numériques Colin, qui concerne uniquement le corpus québécois et dans lequel sont recensées, entre autres, plusieurs œuvres web des années 90. Donc, les œuvres web des années 90, donc, ce sont des sites web et la vaste majorité d'entre eux n'ont pas fait l'objet d'aucun archivage. Le seul moyen de retourner voir ces pages-là, en fait, c'est de passer par le grand projet de moissonnage automatisé du web que vous connaissez peut-être en Internet Archive avec la Wayback Machine qui nous permet d'aller consulter l'état d'anciennes pages web en 96, par exemple, ou en 98. Évidemment, tout n'a pas été moissonné, mais ça permet quand même de retrouver, disons, l'essentiel des sites qui composaient dans les années 90 le web littéraire québécois. Et donc, grâce à cet outil-là, l'équipe de littérature québécoise mobile a pu retrouver tout un ensemble d'œuvres et de sites web avec des œuvres de différents genres. Donc, sur ce web littéraire, on trouve des romans, des nouvelles, beaucoup de poésie, même du récit autobiographique, puis une sorte d'autofiction avant la lettre aussi. Et donc, ce sont des sites entièrement conçus par des amateurs. Je vous disais tout à l'heure l'importance de retrouver aussi la production des amateurs qui sont un peu invisibilisés dans l'histoire littéraire. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve ici. Et la plupart sont des gens qui évoluaient tout à fait en dehors de l'institution littéraire, en dehors du champ d'édition. Et donc, on a voulu essayer de mieux comprendre quelles étaient les motivations de ces acteurs-là, comment est-ce qu'ils percevaient eux-mêmes leur propre travail. Et donc, on a mené des entretiens. Donc là aussi, je change ma paire de lunettes. Pour étudier ce corpus-là, on s'est fait un peu sociologue et on est allé rencontrer les auteurs pour leur poser des questions sur leur propre pratique. En tout cas, les auteurs qu'on était capables de retrouver ou qui acceptaient de se confier parce que, bon, il y a certains disciplines qui étaient anonymes, comme vous pouvez le deviner. Et donc, non sans surprise, en fait, plutôt sans surprise, la plupart se concevaient pas comme des auteurs professionnels, mais vraiment comme des amateurs. Ils provenaient de milieux professionnels très variés. Certains avaient été familiarisés avec l'informatique dans le cadre de leur travail dans une entreprise, par exemple, ou dans le milieu de l'éducation. Et l'écriture littéraire, pour eux, c'était plutôt un passe-temps. C'est quelque chose qu'ils faisaient par curiosité dans leur temps libre pour joindre l'écriture et l'informatique. Et donc, ils ont accédé à la publication sur le web à travers un processus d'auto-édition. Ils étaient les propres webmestres de leur site sur lesquels ils publiaient leurs œuvres. Et c'est arrivé très tôt au Québec, donc dès 1994-1995, au moment où Internet entrait dans les domiciles, au moment où sans doute plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais moi, je me rappelle bien, donc, cette époque du début du web. Et donc, l'examen de ces œuvres-là est intéressant. Ça nous permet de cerner, autre lunette, cette fois-ci dans une perspective poéticienne, qu'est-ce que le web, qu'est-ce que le langage HTML font à l'écriture littéraire. Première chose qu'on remarque, et ça a déjà été signalé dans d'autres études déjà sur la littérature numérique, beaucoup d'auteurs vont explorer les possibilités de l'hypertexte pour créer des œuvres dont la structure est arborescente, des œuvres dans lesquelles le lecteur va circuler en faisant des choix, en cliquant sur des mots, en allant d'une page à l'autre, d'une lexie à l'autre, comme on a pu le dire aussi à propos des œuvres hypertextuelles. Autre élément intéressant, beaucoup d'auteurs vont s'amuser avec la mise en page, avec la possibilité d'intégrer des images, notamment, on n'est pas encore à l'ère de la vidéo sur le web, donc c'est plutôt des images fixes, mais on retrouve déjà sur certains sites du son. Et je vous ai mis cet exemple-là en particulier parce que c'est un très bel exemple d'utilisation de la mise en page et de l'image pour imiter une une du Journal de Montréal. Donc ici, c'est une œuvre de Serge Robert, une œuvre policière qui s'intitule « Une enquête inhabituelle ». Et donc, c'est le prologue de l'œuvre que vous voyez ici. Et le lecteur
entrait ensuite dans l'œuvre en cliquant sur un des trois faits divers qui menaient chacun vers trois fils narratifs différents qui se recoupaient. Et c'est assez amusant parce que vous voyez, Serge Robert, c'est aussi l'auteur de chacun des trois faits divers hein, dans la fausse une du Journal de Montréal qu'on voit ici. Donc, c'est une œuvre très amusante que je vous invite à aller consulter si ça vous intéresse dans les archives du web. L'œuvre qui est ici signale aussi l'efficacité du web comme support de remédiation hein, de différents médias. Donc, on peut y mettre du texte, mais aussi de l'image, du son, plus tard de la vidéo. Et donc, déjà à l'époque, l'œuvre web, c'est une œuvre multimédia, hypermédia, comme vont l'être beaucoup d'œuvres numériques par la suite. Dernier élément, puis ensuite je laisse la parole à René. Il y a beaucoup de sites aussi qui reposent sur le principe de l'écriture collective à relais. C'est-à-dire que le webmestre, l'auteur principal du site, va écrire le début d'un roman et suggérer au lecteur, au visiteur du site, de lui envoyer par courriel des suites possibles. Et donc, le roman se construit au fil du temps avec la collaboration de plusieurs visiteurs. Donc, vous voyez comment le lecteur est interpellé ici. Hein, la fiction vous intéresse, vous avez envie d'écrire, lisez l'arche et participez. Et effectivement, on retrouvait les noms de plusieurs auteurs sur un site comme celui-là. Donc, c'est intéressant parce que déjà dans les années 90, ça signale la formation autour de ces œuvres web d'une première communauté littéraire francophone assez internationale. Parce que même les sites basés au Québec suscitaient en fait la collaboration d'auteurs belges, francophones, et on voit vraiment se dessiner une petite communauté francophone virtuelle autour d'œuvres comme celle-là. Et je laisse la parole à René pour la suite de cette présentation. Merci, Mélodie. Le caractère historique de ces trois premiers moments de la littérature numérique au Québec est assez manifeste. Nous avons là à peine franchi le tournant des années 2000. Un quart de siècle de production médiatique et littéraire suivra. Un quart de siècle, ce qui est immense en regard de la rapidité des changements technologiques et de l'amplitude temporelle restreinte de ces pratiques. Donc, on est quelque part entre les années 70 et aujourd'hui. C'est aussi, et sans rien enlever à la riche traversée que vient de proposer Mélodie, la période la plus facile à saisir, du moins dans une démarche historiographique. Du temps a passé, on associe facilement des traits spécifiques à des sous-ensembles d'œuvres, de petites incursions critiques commencent à apparaître pour aider à structurer notre regard sur cette période. C'est somme toute le même problème que l'on rencontre au moment d'étudier la littérature contemporaine, qu'on juge toujours éclatée, insaisissable, difficile à caractériser. Se manifeste là notre myopie critique, le fait qu'on n'a pas assez de distance pour bien voir ce qu'une période donnée a de particulier, pour évaluer comment la production littéraire se construit en regard de ce qui a précédé, mais aussi de ce qui a suivi. La situation est forcément la même pour la littérature numérique, d'autant plus qu'elle n'est pas encore largement étudiée. D'ici là, il faut garder un œil sur les modalités internes des pratiques entre procédés d'écriture et incidence des plateformes médiatiques. Car à partir des années 2000, contrairement à ce que les deux précédentes décennies ont pu laisser voir, l'idée de plateforme devient lourdement déterminante sur ce que peut être la littérature numérique. On l'a vu avec Mélodie, les premières expérimentations explorent diverses manifestations de la technologie. Des ordinateurs, des logiciels, le premier web. Tout ça suppose une appropriation un peu à la dure des possibilités informatiques. On devait bâtir des projets depuis zéro, les mains dans le code, soit à l'intérieur d'un logiciel, soit un site web directement dans le code HTML. C'était aussi une époque où on élaborait des projets de façon individuelle, de façon autonome. Un projet souvent qui était isolé, produit localement sur un logiciel, donc sur son propre poste informatique. Dans le meilleur des cas, les gens avaient leur propre hébergement web ou même, c'était quand même assez audacieux à l'époque, leur propre nom de domaine. Mais tout ça s'est démocratisé peu à peu. Pourtant, ce que l'on connaît aujourd'hui du numérique, ce que vous avez toujours connu pour la plupart d'entre vous, c'est un engin formidable de mise en réseau de ressources, mais aussi de personnes. Ce n'était pas le cas dans les exemples abordés par Mélodie, du moins pas de façon centrale, ou ce l'était souvent de façon artisanale,
par sollicitation directe de participation. L'exemple de J'ai mon soleil dont on parlait tout à l'heure le montrait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé tranquillement d'une vision de l'ordinateur comme une boîte à outils qui nous intéressait et qu'on travaillait comme un environnement pour lui-même, à une vision de l'ordinateur comme une porte d'accès, comme une interface, comme une fenêtre sur quelque chose d'autre qui était à distance, qui était virtuel, mais qui n'était pas le propre de l'ordinateur lui-même. Et c'est tout notre rapport au web qui a changé aussi. Ce n'était plus un web de consultation ou de recherche. Les premiers sites web, on allait consulter tout simplement, point barre. Mais on est allé vers un web auquel on pouvait contribuer, avec la possibilité de créer des sites sans aucune connaissance technique, mais aussi une forme de publication individualisée, souvent très personnelle, les blogs. On a vu arriver les premiers logiciels de blog très, très rapidement, dès la fin des années 90. C'était des logiciels qui imposaient des modèles ou des templates qui venaient formater l'écriture jusqu'à un certain point. Très intéressant, mais surtout peut-être ce qu'on tend à oublier, c'était des logiciels qui créaient des communautés. Parce que si on était sur Blogger, on était en lien avec d'autres auteurs, autrices sur Blogger. Donc, tous les utilisateurs d'un même environnement pouvaient se mettre en lien assez aisément. Mais encore plus par les liens qui s'établissaient entre les blogs directement. Je vais y revenir dans quelques instants. Ce qu'on doit bien voir là, on est au bug de l'an 2000, là, on est il y a 25 ans à peu près, c'était les tout débuts du social web, du web 2.0, comme on a beaucoup péroré sur cette appellation, les prémices donc d'un réseau social que l'on connaît aujourd'hui et qui nous apparaissent peut-être à des années-lumière de ces premières manifestations. Et par ailleurs, gardons en tête toute la longue histoire, ces blogs sont aussi une forme de transformation de pratiques antérieures. Pensons au cas notoire, j'ai mis tout en bas à gauche, des chroniques de Sibérie de Jean-Pierre Cloutier, donc un commentateur du premier web qui publiait périodiquement des bulletins où il donnait ses principales recommandations de sites intéressants ou de pratiques à surveiller. Il a commencé en octobre 1994, à peu près en même temps que le web est né littéralement. Donc, oui, c'est blog, mais où est la littérature dans tout ça? On peut l'envisager de deux grandes façons. Ces plateformes de blog sont des outils de publication. Elles servent donc à diffuser. Mais aussi, ce sont de magnifiques machines qui sont des incitatifs à écrire. On est en droite ligne avec les premières œuvres web dont parlait Mélodie à l'instant. Monsieur, madame, tout le monde pouvait avoir pignon sur web, commenter l'actualité, déclamer ses humeurs, se faire critique culturelle. C'est le début des réseaux sociaux, je vous disais. Donc, possibilité pour les gens de prendre la plume, le clavier, pour écrire, tout simplement. Mais aussi, point B, ces plateformes sont des accès en direct à une pratique d'écriture dite littéraire. On pourra commenter longuement autour du dîner sur cette dite littéraire, ça c'est un autre enjeu. C'est que ces plateformes vont mettre l'écriture en visibilité. C'est comme accéder à l'atelier de l'écrivain. Elles vont stimuler cette écriture, bien sûr, parce que le blog devient un lieu à investir avec une régularité de publication à maintenir. Et donc, en forçant les gens, on a plein de commentaires, c'est assez fascinant, des gens qui s'excusent auprès de leur lectorat de ne pas avoir publié régulièrement ou de ne pas avoir tenu leur rythme habituel ou de dire qu'ils vont reprendre leur rythme pour être sûrs de maintenir cet intérêt-là. C'est tout à fait fascinant. Bien sûr, les blogs ne sont pas une réalité ou une situation qui est propre au Québec, mais cette pratique y a été vive et a été un terreau particulièrement fécond pour de jeunes plumes. On en a répertorié plusieurs centaines. Le but n'est pas d'en faire un inventaire ici, mais déjà, on voit quelques tendances se démarquer. Plusieurs types, plusieurs genres de blogs, donc des blogs poétiques, des blogs de voyage ou de flânerie, donc en contexte urbain, des blogs d'humeur, des blogs de BD aussi, qui vont venir assez rapidement, des blogs érotiques, pourquoi pas, on a toute cette licence qui nous permet de diffuser ce que l'on veut bien,
aussi des blogs qui sont plutôt des vitrines, des blogs de création, mais qui se présentent comme la page de l'écrivain X. De façon un peu moins courante, mais qui ont joué un rôle quand même important, les blogs narratifs étaient assez peu présents. Mais il y a eu des cas connus, pensons aux Chroniques d'une mère indigne de Caroline Allard, qui a été un exemple qui a été assez marquant. On trouvait aussi des cas assez rares d'écriture collective, j'ai mis Chaosopolis, parmi lesquels figurait notamment Marie-Hélène Voyer, que vous connaissez peut-être. Il y a eu des blogs sous pseudonyme, pensons à Victoria Welby, des fictions aussi, comme le cas de Un taxi la nuit de Pierre-Léon Lalonde à une certaine époque, donc dans les années 90. Les exemples sont extrêmement nombreux et cette vague très, très importante va de, disons, 2000, début 2000, 2005, jusqu'à 2010, 2012. Mais plusieurs blogs vont naître ensuite dans le sillage de cette pratique-là, à l'instar ou suivant le modèle de ces blogueurs-là, et qui continuent même encore aujourd'hui, même si c'est fait de façon très assumée que ces plateformes de blogs sont plutôt marginales par comparaison avec un Facebook, un Instagram ou d'autres plateformes qui sont communes. Et exemple aujourd'hui qu'on va voir où il va y avoir peut-être une partie d'écriture sur blog, mais des compléments à des photos sur Instagram, à des vidéos sur une chaîne YouTube et créer un ensemble plus transmédiatique à partir de différentes plateformes existantes. Quelques observations rapidement sur cette pratique. Mélodie reprenait l'expression tout à l'heure. On voit naître là des écritures nouvelles. Bon, syntagme peut-être un peu creux, mais gardons en tête la nouveauté du matériau publié. Les blogs ne servaient pas à publier des textes déjà écrits. C'était un lieu où on écrivait. L'écriture s'y déroulait en direct. Ouais. Somme toute, donc des inédits qui étaient transmis de cette façon-là. Des écritures nouvelles aussi sur le fait que des genres ou des pratiques qui étaient émergentes ou se trouvaient promues par ces plateformes, qui étaient autrement peu visibles ou plus rares. Des écritures de l'intime qui vont être particulièrement visibles dans l'écriture des blogs. Ce rapport avec l'espace, on parlait de la flânerie du voyage tout à l'heure. Une prose poétique qu'on voyait assez peu dans l'édition littéraire papier courante de l'époque. Pensons, j'ai mis l'exemple de Patty O'Green, donc en bas à gauche, donc le blog de Paul Macrousse. Autre observation, ce qu'on voyait déjà naître avec les œuvres web, des actrices et des acteurs inattendus. Les gens qui tiennent un blog ont des profils extrêmement variés, avec des formations littéraires ou pas, et souvent appartiennent à une jeune génération. On n'a pas d'auteurs ou d'autrices qui étaient déjà reconnus, qui tenaient blog, ou sauf quelques rares exceptions. Tout ça dans un territoire qui n'était pas encore cartographié, où les rôles, les fonctions n'étaient pas encore attribués. Et tous ces petits îlots textuels permettaient de créer des réseaux d'affinités. Les blogs comportaient souvent des blogolistes. J'avais pas d'exemple, mais si vous allez voir Un taxi la nuit tout en bas à droite, il y avait cette liste de blogs amis. Donc, des gens avec qui les personnes qui tenaient blog affirmaient avoir une affinité ou qu'ils observaient ou qu'ils admiraient. Donc, un partage qui était visible par ces liens qu'on établissait entre les blogs selon les affinités qu'on pouvait observer. Donc, il y a toute une socialité de l'écriture, de la lecture et donc de la réception, même si tout ça était relativement en circuit fermé, qui conduisait à des encouragements à l'écriture, parce qu'il y avait toujours cette zone de commentaires présente au bas de chaque texte, et où les gens qui nous lisaient « Ah, c'est super, ah, il me semble que j'améliorais tel truc », ou « Ça me fait penser à tel autre texte ». Différentes formes d'émulation, donc, et qui souvent étaient même très factuelles. Le fait d'être cité dans la blogolist de tel blogueur ou blogueuse important nous amenait de la visibilité et donc une forme de reconnaissance. Et éventuellement de consécration. Dernière observation, donc un phénomène connexe, mais tout de même significatif pour le champ littéraire, le passage de certains blogs à des livres.
Donc, dans la collection Carnet chez Hamac, notamment, qui a lancé de façon assez structurée ce principe-là, on a vu les chroniques d'une mère indigne devenir un livre. Même chose avec Un taxi la nuit, avec des textes de Catherine Voyer-Léger ou de Sophie Bienvenue. Et un peu plus tard, d'autres éditeurs s'y sont plu, notamment le cas des Fourchettes de Sarah Maud Beauchesne, qui figure ici à l'écran. Ce qu'on retient donc de cette plateforme, c'est son aspect très déterminant, très conformant de cette plateforme. Un blog, c'est un outil de publication, de textes généralement brefs, même s'il y a des exceptions, dans une séquence antéchronologique. Le texte plus récent est toujours au haut de la liste et fait en sorte que les plus vieux s'enfouissent tranquillement dans la structure du site. Il y avait de la possibilité d'intégrer des éléments médiatiques, photos, peu à peu avec l'amélioration des bandes passantes, des vidéos, même si c'est pas très déterminant encore, et cette zone de commentaires qui faisait en sorte qu'il y avait un dialogue qui pouvait se construire sur la page elle-même. Donc, pas nécessairement dans un rapport direct entre les personnes, mais par le biais de la plateforme elle-même. Et donc, ces possibilités techniques ont largement coloré les pratiques d'écriture. Je vous parle de plateforme depuis quelques minutes, et donc cette idée des plateformes est encore très, un phénomène encore très connu aujourd'hui sous plusieurs formes. Je vous en donne quelques extensions parce qu'on est dans une logique qui se transforme et se perpétue. L'exemple de la Twitterature, bien sûr. Coucou à Jean-Yves une autre fois. Donc, Twitter était la contrainte formelle incarnée. D'abord, 140 caractères, ensuite 280. Maintenant, Mastodon qui a plus vraiment de limites selon les instances. Mais la phrase doit être brève, incise, efficace ou allusive selon le ton des gens. Il y a toute une pratique littéraire qui s'est développée sur cette plateforme-là, des pratiques individuelles. Pierre-Paul Plot ici, que j'évoquais, aussi des pratiques collectives, notamment l'événement Particule que vous connaissez peut-être, qui était co-organisé par LQM et où, entre autres, Isabelle a beaucoup collaboré à mettre en place cet événement, parce que c'était vraiment de l'ordre d'un événement, un bloc de 2 heures, où on conviait des gens qui écrivent, mais des gens qui produisent aussi du point de vue visuel, graphique, des contenus, autour d'un thème, et il y avait une sorte de tempête de propositions qu'on pouvait consulter, naviguer, répondre dans une dynamique performancielle. Le cas de Twitter, le cas de Facebook ou sur les réseaux sociaux, bien sûr, on pourrait développer davantage, mais Facebook, bien sûr, est un lieu de diffusion et des vitrines d'écrivains, bien sûr, vous le savez, il y a plein d'écrivains qui posent sur Facebook. Ce qu'il y a d'intéressant peut-être davantage, c'est comment on détourne la plateforme. On aura tout à l'heure Alexandra Semmer qui va nous parler dans la table ronde. Elle s'intéresse beaucoup aux profils fictionnels sur Facebook. Comment on construit des histoires à partir de personnes que l'on invente sur Facebook. Donc, pas juste s'inventer soi-même un visage un peu plus sympathique, mais littéralement des personnages de fiction qui vont populer Facebook et venir essayer de distordre un peu la machine. Instagram, bien sûr, on a de l'Instapoetry, de l'InstaBD, qui viennent profiter de cette plateforme, conformer l'écriture dans une certaine façon de faire, soit avec l'image, soit dans la zone de texte à côté, et permettre donc une diffusion de contenu littéraire fondé sur ce principe d'un lieu qui est une matrice d'écriture, mais où il y a une forte dimension, une forte composante de sociabilité. On a là des réseaux de lectrices et de lecteurs, des modalités de réaction, de commentaires, d'évaluation. Les petits cœurs, les thumbs up, c'est de l'évaluation, c'est de la critique en direct. Vous voyez donc tout un sous-champ littéraire qui se développe en marge des institutions conventionnelles, avec des règles de fonctionnement, avec des paramètres de reconnaissance et de notoriété. Le temps file, hein? Le temps file. Je vais aller très, très rondement pour 2 autres petits points. On a commencé en retard, par exemple. Je me défends auprès de l'organisatrice. 2 cas de figure que je vais passer quand même relativement rapidement. Donc, la suite de l'histoire de la littérature numérique est plus difficile à mettre en petites cases. On peut s'amuser à essayer de traverser tout ça de façon croisée. Je m'amuse à en parler comme des œuvres applicatives avec un sens très générique au mot « application ». Donc, soit un ensemble logiciel autonome, soit une proposition hébergée qui fonctionne pour elle-même ou quelque chose qui s'exécute de façon autonome.
Donc, soit qu'on recourt au web, il y a toute l'époque de Flash, bien sûr, qui était importante, de 96 à 2020, qui a permis d'intégrer des animations, des modalités complexes d'interactivité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres hypermédiatiques qui ont eu recours. On peut parler de web documentaire, qui a été tout un créneau qui nous permettait, de façon ludique, presque de l'ordre du jeu vidéo, d'être dans un point de contact entre le journalisme, l'écriture littéraire et une dynamique un peu plus ludique, que ce soit le Fort McMurray il y a quelques années, le Murmureur d'Olivier Leclerc, qui est un jeu vidéo qui parlait de la traite des fourrures, ou une des œuvres récentes d'Isabelle CMRX sur l'expropriation des terres à Mirabel, mais peut-être qu'elle va nous en parler tout à l'heure. Ou encore l'utilisation de services web comme les cartes, donc l'API de Google Maps, qui nous permet, ici dans mes mots, mon quartier par exemple, de recourir à un outil qui n'a pas une fonction littéraire, mais de le détourner au profit d'une inscription dans l'espace, même dans l'espace virtuel, de propositions littéraires. On a aussi dans ces applications des œuvres-applications, que ce soit sous la forme de livres augmentés ou de livres hypermédiatiques, qui sont souvent prévus pour des tablettes ou des téléphones portables. Aussi des applications tactiles. J'ai mis donc une des propositions de Jason Lewis où c'était vraiment une exploration d'une espèce de poésie conceptuelle, mais où on devait manipuler sur, de façon tactile, l'écran d'une tablette pour être capable de faire animer la chose. Application par extension, encore une fois, on pourrait mettre toutes sortes d'installations littéraires et artistiques qui sont au point de contact entre le numérique et souvent une installation physique. J'ai mis le tableau de départ, peut-être que Daniel pourra nous en parler tout à l'heure. Pensons à Cœur de Rhizome aussi, où il y a une dimension de génération de poèmes qui sont récités, mais dans une installation physique. Le journal d'une insomnie collective ou les chroniques de Montcalm, donc un circuit de BD augmenté qui avait lieu dans le quartier Montcalm. On voit là des enjeux d'intermédialité où le texte participe d'une dynamique interartistique. Dernier temps, rapide, peut-être un retour aux origines. On est dans une perspective historique, on s'amuse à se promener et à voir des effets de continuité et de rupture. Mélodie vous parlait des performances qui impliquaient des ordinateurs avec tout cet imaginaire technologique et technique. Cette vision est variablement présente à travers l'histoire des pratiques littéraires numériques. Parfois, on le sent très, très fort. Parfois, c'est un peu plus éloigné. Et là, cet imaginaire ressurgit de façon très, très prégnante, notamment avec des interfaces conviviales pour des outils de génération textuelle, dont ChatGPT, bien sûr. Donc là, on voit des espèces de grands cris qui sortent et on voit que l'imaginaire de la technologie vient menacer ou corrompre l'idée de la création littéraire. Pourtant, depuis les tout premiers ordinateurs, il y a tout un intérêt pour la génération automatisée des textes, notamment en poésie, mais aussi pour la prose brève. J'en fais pas une traversée historique, mais quelques manifestations pour vous dire que c'est pas anecdotique dans le cas de la littérature québécoise. On parlait de « J'ai mon soleil » tout à l'heure. Projet de la Calambredaine de Philippe Bézi et Michel Lefebvre, on est quelque part dans les années 80. Les œuvres de J.R. Carpenter, de Jave, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Mais pour rendre hommage au doyen, si on veut, de la littérature numérique au Québec, Jean Baudeau, qui a publié en 64 aux éditions du jour « La machine à écrire », qui était le premier recueil de vers libres rédigé par un ordinateur électronique. 64! Il n'existait pas des ordinateurs personnels, donc il est allé baumer l'ordinateur central de l'Université de Montréal pour produire des vers et les publier de façon papier, avoir des commentaires d'Alfred Desrochers, de Jacques Godbout, de Félix Leclerc, de Raymond Queneau. C'est tout à fait sublime comme artefact historique pour la littérature. Mais bon, on est là, évidemment, à bousculer tous nos repères. Qui est l'auteur? On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un texte qui est stable ou l'œuvre est le générateur lui-même? Que penser de l'intentionnalité de ces textes-là? Que veut dire le texte, au fond? Et si ces textes, comme ceux-là, sont publiés sous format papier, est-ce que c'est toujours de la littérature numérique? C'est un territoire extrêmement fragile encore à circonscrire, mais les récents outils nous obligent à avancer sur ces questions, comme le fait notamment Tom Lebrun dans sa thèse de doctorat qui sera défendue lors de sa soutenance à la fin du mois d'août. Donc, vous le sentez bien, j'achève, ce parcours historique est foncièrement sautillant.
avec des bornes historiques qui sont relativement bien établies. On a des dates avérées, des technologies impliquées. Toutefois, cette temporalité éclate selon que l'on considère les œuvres médiées par des ordinateurs, des pratiques associées aux réseaux, la présence obsédante des réseaux sociaux ou le rôle joué par différentes technologies logicielles. On doit donc composer avec cette complexité et y voir là, bien sûr, une forme de richesse. Parcours Sautian aussi du point de vue des langages, des supports et des disciplines qui sont présentes dans les œuvres, d'où l'expression d'œuvres prismatiques. Entre texte écrit et généré, dialogue texte-image, insertion de texte dans des dynamiques interactives ou vidéoludiques, cohabitation du texte littéraire, de la prose quotidienne ou scientifique, blablabla. L'idée de littérature est passablement secouée, même si elle est prégnante, voire obsédante dans bien des œuvres, d'où leur participation évidente à ce que l'on nomme art littéraire. Toutefois, c'est au prix d'une renégociation constante entre le champ restreint et le champ populaire, entre des auteurs-autrices amateurs et des figures d'écrivains et d'écrivaines reconnues. Ce sautillement se répercute aussi sur les perspectives critiques, Mélodie l'a bien illustré tout à l'heure, où on se promène entre différentes disciplines pour être capable de bien saisir le phénomène qu'on a devant nous. Un dernier point, et pas le moindre, qui est resté jusqu'ici dans notre angle mort, est celui des frontières nationales de ce corpus. Déjà, on le sait, ces délimitations sont fragiles dans le secteur de la littérature. Certaines personnes n'étant pas éditées dans leur pays d'origine, vous connaissez le principe général. La territorialité numérique, elle, est encore plus friable et plus insaisissable. Les auteurs et autrices publiés dans la défunte revue québécoise Bleu-Orange font-ils partie de notre corpus? Les projets financés par l'ONF, l'Office national du film, impliquant plus ou moins directement quelques Québécois, sont-ils à inclure dans ce corpus? Des créateurs étrangers de passage au Québec, produisant des œuvres ici et les publiant grâce aux subsides locales, intègrent-ils cette littérature numérique québécoise? Les questions sont multiples. Les réponses sont d'autant plus incertaines que les ancrages de ces œuvres, les ancrages institutionnels, se distinguent fortement de ceux du milieu traditionnel du livre. L'usage dictera probablement la ligne à suivre, mais d'ici là, la mise en valeur des riches productions numériques importe davantage que les chicanes de clôture. Merci à vous.